Et je vais vous poser une question toute simple. Comment on réussit à faire un bâtiment emblématique sur un site des années 70, donc qui a un aspect greffe, sur un bâtiment ancien? C'était peut-être plus compliqué que de tout raser et de reconstruire. Quels ont été, on va dire, les défis relevés dans cette réalisation? En effet, le plus gros défi sur cette réalisation, c'était de conserver la structure existante, qui était la structure iconique de la tour EDF de la Part-Dieu, et d'ajouter l'exosquelette que vous apercevez en fait sur le côté. Toute cette partie-là, c'est l'élargissement d'une tour existante. Et ça, architecturalement, c'était un énorme défi et qui aujourd'hui est relevé puisqu'on ne voit même pas la différence quand vous êtes à l'intérieur des plateaux. Merci. Merci, bravo. Oui, donc un gros travail de réhabilitation avec le commissariat. Donc on était en site occupé avec des grosses contraintes parce que le site était amianté. Site occupé ouvert 24/7, problématique de sécurité. Mais par contre, on a eu des équipes qui sont exceptionnelles en chantier. Ils étaient vraiment adorables. Une fois qu'on rentre dans le sujet, qu'on est connu, reconnu, c'est vraiment, ils ont été super, super conciliants. C'est impeccable. Génial, bravo. Merci beaucoup, je vous applaudir. On reçoit cette distinction, pour nous c'est vraiment pas neutre. On est heureux parce que c'est la première messagerie à deux niveaux de France. On l'a intégrée totalement dans l'économie circulaire. C'est un chantier circulaire, on a recyclé 90% des matériaux, 85% de ces mêmes matériaux ont été réutilisés in situ. On l'a fait d'une manière totalement éco-responsable. Donc nous sommes extrêmement fiers de ça. Merci, au revoir. Bravo. Merci, bravo. Bravo. Oui, merci Patrick. C'est vrai que c'est un bâtiment qu'on adore pour deux raisons. C'est que c'est effectivement un bâtiment qui est très démonstrateur de ce que Quartus aime faire avec cette ossature bois et cette ambiance particulière qu'on a su garder dans les bureaux avec le bois apparent. Donc ça c'est une évidence et on l'aime d'autant plus que c'est notre siège maintenant. Donc on est installé dans ce bâtiment, j'invite tout le monde à venir nous voir pour faire une visite. Donc on y habite, on y vit et donc on profite en plus de la qualité que ça apporte d'avoir cette ossature bois. Un peu de réemploi dedans, les dalles de faux plancher sont des dalles qui viennent du réemploi. Et c'est effectivement un bâtiment qui est labellisé bas carbone, donc c'est une première et on est assez content de l'avoir livré en janvier. Au moment où on voit commencer à émerger pas mal de bâtiments avec ce mode de constructif, mais effectivement c'est quelque chose qui a été conçu il y a 3 ans, donc qui date un petit peu. C'est vrai que la construction bon a de l'avenir. Alors comment est né ce concept appartement boutique? C'est au deuxième étage, donc du 15 de la rue Émile Zola. Un immeuble mixte de 3000 m² que nous avons entièrement restructuré et remembré par nos soins, qui a décidé de s'installer le nouveau concept du Club Med. Donc le concept appartement boutique. Tout d'abord, on a procédé à la dépose de tous les habillages accumulés au fur et à mesure des années, afin de retrouver l'esthétisme de l'architecture noble du 19e siècle, en s'adaptant à la nouvelle technologie, à l'ergonomie des salariés et surtout apporter une démarche éco-responsable. Bravo, merci Anne. Je ne vais pas trop prendre la parole, mais il y a deux aspects particuliers que je voulais souligner. Le premier, c'est un projet sur lequel on nous a donné la main, je dirais, sur une grande amplitude d'intervention sur la mission, puisqu'on a démarré dès la programmation. On a contribué à choisir l'architecte, on a suivi ses études, puis ensuite on a conçu des aménagements, et puis ensuite on a conçu la décoration, et on est allé jusqu'à la dernière main sur la dernière position de mobilier. Le deuxième point que je voulais souligner, c'était l'implication, je dirais, peu commune de ce client. J'ai rarement vu un client aussi investi, là aussi, sur aussi bien l'ambition du projet tel qu'il a défini, mais aussi sur les détails. On a discuté pendant des heures entières avec Philippe Brazel sur comment on allait gérer tel détail de porte, etc. Et ça donne forcément un résultat qui est non seulement un beau projet, mais surtout le projet de Mathieu. Et c'est pour ça que les retours que l'on a sont positifs, tellement positifs sur le vécu des collaborateurs, parce qu'ils sont chez eux. Les 150 salariés du site ont collaboré activement à l'élaboration de ce projet. Et Cardam a eu la lourde tâche de fédérer des ateliers, des QCM, des visites de site,
Je pense qu'ils ont fait des dizaines et des dizaines de réunions collaboratives. Et en fait, Cardam a retranscrit l'attente des salariés. Donc on peut les applaudir. Bravo. Le parc d'activité chez Spirit, c'est quelque chose qu'on développe depuis plus de 30 ans. On est leader en Île-de-France et on a toujours essayé de le voir comme un vrai aménagement urbain. Donc le parc du Progrès, c'est une vraie fierté. C'est un site emblématique de Lyon, c'est un journal emblématique dans la région. On est assez fiers d'avoir aujourd'hui totalement commercialisé avec 5 acquéreurs, avec un beau mix endogène et exogène, avec des sociétés qui travaillent dans la recherche, dans l'hydrogène, dans les laboratoires. Donc c'est plutôt valorisant pour le territoire. Et encore une fois, tout a été fait en lien avec la métropole. Voilà. Bravo, félicitations.